Parlons de Riker Webb. Riker est un bon petit garçon de 3 ans qui a disparu en après-midi le 3 juin 2022. Ses parents ont pris 2 heures à signaler sa disparition. Le petit garçon passionné d'insectes a marché pendant des heures dans la nature seule. Épuisé, il a continué jusqu'à trouver un refuge dans un vieux cabanon, là où il a été retrouvé 2 jours plus tard. L'inquiétude des recherches résidait dans le fait que l'enfant pourrait ne pas survivre. En effet, le soir de sa disparition, un orage violent s'est abattu sur la région et les températures ont chuté ne dépassant pas les 4 degrés. Dans la région, les pumas et les ours sont fréquents puisqu'il vit dans le Montana aux États-Unis. L'enfant a été retrouvé par la famille qui se rendait dans sa cabane et ils ont entendu la voix d'un petit garçon dans le hangar derrière cette fameuse cabane. La famille a immédiatement contacté les secours. Riker était effrayé, exténué et frigorifié mais en vie. Lorsque le shérif du comté de Lincoln, Darren Short en charge de cette affaire lui a dit qu'il allait retrouver ses parents, les yeux du petit se sont illuminés. Le petit garçon a été emmené dans un centre médical pour être examiné. Mais rien n'a été décelé et il a pu retrouver ses parents. Une enquête est en cours pour comprendre pourquoi Riker n'était pas surveillé ainsi que toutes les circonstances entourant sa disparition. Surtout pourquoi il aura fallu plus de 2 heures avant que les parents décident de faire un signalement.